Voilà, moi c'est Amadou Diop, président de l'association des guides amis du patrimoine. Okay. Et cela fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille dans cette notion qui est patrimoine. Et vous savez que Saint-Louis est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO et tout le rôle qu'a joué Saint-Louis au niveau de, depuis les Portugais à nos jours. Et on constate que depuis le transfert de la capitale vers Dakar, Saint-Louis s'est trouvé dans une léthargie persistante, rien ne marchait plus, l'économie, l'administration, tout était arrêté. Et donc il a fallu ces dernières années, avec tous les jeunes qui se mobilisent actuellement pour vraiment essayer de sauvegarder, de préserver, de valoriser ce patrimoine qui est très riche. Et pratiquement, aujourd'hui, c'est une randonnée que nous, guides amis du patrimoine, nous organisons aujourd'hui. Mais aussi, nous avons une pensée pieuse à notre regretté père Mehdi Kewad, qui a tout fait durant toute sa vie. Il s'est battu vraiment pour ce patrimoine et qui nous a aidé d'un soutien moral extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un grand pan de l'histoire de Saint-Louis. Donc, il s'est effondré. Et comme ce qui se passe actuellement, beaucoup de bâtiments qui actuellement aussi sont dans cet état. Et donc, nous lançons à tous les Saint-Louisiens, tous les Sénégalais, nous lançons un cri de cœur pour que les gens se mobilisent pour vraiment préserver, pour sauvegarder ce patrimoine qui nous est vraiment si cher.